Et coucou, j'ai retiré toutes mes extensions, je n'ai plus rien. Donc je trouvais ça sympa de vous montrer et l'épaisseur, il n'y en a plus, et la longueur, il n'y en a presque plus non plus. Comme il me rend rester chez ma coiffeuse, j'ai décidé d'en remettre. Je sais que pour la plupart, en tout cas mon entourage, tout le monde me dit « Non, Caro, t'es mieux comme ça, n'en remets pas. » C'est comme ça, j'y retourne. C'est vrai que j'assume pas trop. C'est pour ça que je retourne me poser l'extension là dans une demi-heure. Enfin, je me dépêche parce que c'est quand même à 10 minutes de route, un quart d'heure. Allez, c'est parti. Hé, t'as pas dit bonjour ? Jack ? On compte jusqu'à 3, il monte. 1, 2, 3. D'accord. 1, 2, 3. Ah ! On est parti. Vous avez vu, ça c'est le petit cadre que je vous parlais. Il est en préparation pour le prochain DIY. Hey, j'oublie pas. Voilà, donc on est bien bloqué. Ah, c'est la merde. Et ben voilà, ça change. Hein. Elle me les a... Donc déjà, ce sont des extensions de cheveux naturels. Il y en a 70. Elle m'a fait des légères, on va dire, ondulations pour pas que ça fasse vraiment baguette. On les a pas du tout coupées. Alors c'est vrai que moi, elles me semblent un petit peu longues, mais ça c'est pas grave, hein. Ça se coupe très facilement. Alors je sais que pendant 2 nuits, ça va être dur parce que ça fait mal le temps qu'on s'y fasse. Je vais tourner sur ma chaise que vous puissiez vous rendre compte. Ouais, je pourrais quand même m'attacher les cheveux. Dites-moi vos impressions en commentaire si vous trouvez que ça fait quand même naturel. Je dis quand même parce que c'est des extensions, hein, tout simplement. Comme j'étais chez le coiffeur, j'ai pas eu le temps de m'avancer aujourd'hui parce que j'ai reçu 2 nouvelles box. Donc, la T-Box et la Beautiful Box. Donc, ces 2 box, je les présenterai sur la chaîne des box. Ça, je l'ai, My Little, je l'ai déjà présenté. Et voilà, donc c'est tout ça à faire. Du coup, je pense que je vais tourner plutôt demain. C'est vraiment dommage, franchement, que vous n'ayez pas l'odeur. Bon, hein, c'est pas rangé, hein, c'est ce que je stoppe pas mal. Ça vient donc de ces bougies. Je vous avais déjà présenté la Sior Fleur de Thierry, la 2 mèches. Ça sent, mais réellement, tellement bon. Quand c'est éteint même, ça sent très bon. C'est réconfortant, les gens, chaque fois qu'ils viennent, ils me disent « mais c'est pas possible cette odeur, qu'est-ce que ça sent bon ?» Et j'ai reçu également, j'ai demandé à recevoir la petite sœur, c'est la figue délicieuse, délicieuse figue. C'est vrai que c'est très végétal, à choisir l'odeur, je préfère celle-ci. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment beaucoup cette odeur. C'est une mèche, celle-là, et surtout, elles sont naturelles. C'est pas cancérigène, c'est du produit naturel. Ils m'ont donné un petit code promo pour vous, hein, donc... Vous pouvez foncer et vraiment gros coup de cœur pour celle-là. Mon petit décor que vous voyez souvent dans certaines de mes vidéos, alors il peut paraître très chargé, c'est sûr, mais j'ai bien envie de temps en temps de changer. En fait, pas changer forcément les cadres, mais changer ce qui se trouve dans les cadres. À voir. Aussi, pendant que je vous ai sous la main, vous souvenez cette jolie licorne que j'avais achetée chez Zodio, donc on va dire que c'est du papier mâché. Et j'avais dit, enfin je vous avais dit que j'allais la customiser. J'ai donc été chez Cultura. Et dans ce sac, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, du papier. C'est un petit peu comme du papier de soie. Parce que je veux vraiment le customiser. À ma sauce, j'ai les paillettes. J'ai également, je vous l'avais montré, la fameuse bombe. Donc je vais utiliser pour ça. Et pour le cadre du bas, j'avais repris également ces... un petit flamand, on va dire. Lui aussi, hein, je crois que je vais le... Ouais, je vais le bomber. Et puis, je vais mettre quelques petits éléments de déco dessus. J'adore. J'ai pris également des paillettes. Ça sera peut-être pour les pattes. Et ça va pas tarder. Hein. Je pense que... Ouais, par contre, je me suis plantée. Je crois que c'est pas ça qu'il faut comme colle. Tu colles pourtant, ils mettent. Hein, papier, bois, céramique, cuir, tissu. Bon, j'ai vraiment hâte. Et je m'étais pris aussi un notebook. Il est magnifique. C'est des lignes, hein. Ouais, j'ai l'impression. C'est que des lignes. Il est trop beau. J'ai envie de me faire des petites bûchettes d'apéro. En même temps, il faut que je les mange. C'est jusqu'à demain. Donc voilà. J'ai bien envie de me faire ça aussi. Veggie, graines, blé, épinards, feta.
petit panier. Ça a l'air trop bon. Avec un œuf et mes petits chèvres qui vont aller au four. Voilà. Génial. Je vous retrouve ce matin pour le petit bilan capillaire de ma nuit. Ça a vachement tiré, c'est clair. J'ai dormi sur les côtés parce qu'il y en a beaucoup moins. Au niveau de la nuque, j'ai testé, c'est pas possible, ça tire beaucoup trop. Après, moi, je suis au courant, hein. C'est sûr, quand t'es pas au courant, ça fait bizarre. C'est l'histoire de 2-3 jours. Ce matin, je les ai laissés tranquilles. J'ai pas voulu faire ni de lissage, ni de coiffure. Je les ai juste peignés. Par contre, j'essaierai au fur et à mesure de me faire des petites coiffures, notamment en hauteur, les chignons, parce que je trouve que bah, ça me va bien et j'apprécie. J'aimerais bien que vous me disiez si des vlogs de ce type vous plairaient sur ma chaîne, auquel cas, j'en ferai plus souvent. Je vous fais un gros bisou et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !